Yo les siennes, bienvenue sur Jet Connection. Et aujourd'hui on va découvrir quoi? Un petit courrier de saillant. Ouais, un courrier des saillants de l'espace parce que ça fait plaisir. Oh, et c'est super fin. Je crois savoir qui c'est. Je crois savoir qui c'est. Mais on va découvrir le poster histoire d'être certifié. Tu d'avoir la que c'est petite un certification. Je pense que c'est un poster parce qu'on m'a dit est-ce que t'as reçu les posters que je vous ai envoyés, etc. Voilà, donc c'est scellé. Et hein, je crois que c'est ça. Je crois certainement avec certitude que c'est ça. Voilà, et c'est ouvert. Vu le format en fait. Ça ne peut être que ça. C'est quoi, c'est un carton? Oh putain, pardon. Je suis désolé pour les téléspectateurs qui se téléspectatent. Ouais. Ouais, c'est un carton pour protéger, pour éviter que ça se plie. Intelligent. Ok. Donc, on en a deux. Ah ouais. À trois, on retourne et on lui montre que c'est dommage. Aux téléspectateurs qui se téléspectatent. Téléspectateur, t'es prêt? Allez. Dis-nous dans les commentaires si t'es prêt, téléspectateur. Allez. 1, 2, c'est dommage. Allez, boum. Voilà. Bleu. Vegeta Super Saiyan Blue poster, grande qualité en plus, putain. Ah ouais, et pas plié, ça fait plaisir. Un poster qui arrive comme ça. Je remercie Rome, donc je sais pas si je peux dire son nom Facebook en entier, donc on va l'appeler comme ça. Magnifique. N'hésite pas à te manifester aussi. Je me permets de mettre ça sur ta tête pour leur montrer un petit peu la qualité. Bah, tant que c'est pas sur ma tête que c'est à l'écran, ça va, tu vois, y a pas de problème. Regardez comme c'est beau. Le trait est... Son trait est beau. Tue sa mère. C'est toi qui a fait ça avec tes petits crayons et tout. Parce que regardez, c'est pas une illustration officielle, parce que sinon je la connaîtrais, cette illustration. Bah ouais. Et pourtant, on y croirait, quoi. Ah ouais. Non, franchement, ça dégomme sa mère. Bah, merci beaucoup en tout cas. C'était un petit courrier des Saiyans. On espace, vous avez vu. Il y en a encore quelques-uns qui doivent arriver. C'est peut-être même un petit courrier parce que vous avez deux vidéos aujourd'hui. Mais ça fait super plaisir, merci pour ce courrier. Qui est pas arrivé abîmé. Ça c'est magnifique. Moi je... La preuve, ouais. Il y a de l'amélioration. Et je salue aussi le carton parce que t'as fait un beau carton. Il était fin, mais à la fois large. Et puis il y avait le petit cartonné. Donc c'était nickel. Merci beaucoup en tout cas à tous les Saiyans qui nous envoient à cette adresse des courriers, que ce soit des lettres, que ce soit des colis, des posters, des affiches, des. Tout. Tu nous envoies tout type de personnel. Allez, tout type de personnel. De plus petit au plus grand. Au plus petit au plus grand. Plus petit au plus grand. Ça nous a fait plaisir. De 7 à 77. Ça nous a fait plaisir. Allez, on t'embrasse. Et abonne-toi. Allez, allez. Nous sommes une autre semaine avec de nouveaux courriers des Saiyans qui nous sont arrivés. Alors, on va montrer notre adresse postale. Vous pouvez l'envoyer à notre adresse postale, ça fait plaisir. Si vous voulez nous envoyer du courrier, ça marche aussi. On va lire la lettre en direct. C'est une lettre de... William, de ce que je lis. William. William D. William D. Fait plaisir, William. Alors, on avait déjà eu un William dans les courriers des Saiyans. C'est vrai. C'est-à-dire, il faut s'appeler William pour aimer du Connection, apparemment. C'est ça. Ouais, tu me diras, heureusement que c'est pas le cas, parce que sinon, on n'aura pas beaucoup de personnes qui nous suivent. Bah, on aurait tous les Williams, déjà. Alors, tant que c'est pas William Sorin. C'est peut-être William Sorin. Il nous a mis un cadeau dans la lettre, donc on va le garder en off, on va pas vous le montrer. Mais c'était pas nécessaire, William. Salut les DB Times, désolé pour la fausse joie de la dernière fois. Je trouve un peu dommage de mettre de gros super chats, sachant que la moitié va à YouTube. Donc ça, au moins, c'est du super chat 100% sans impôt. Allez, continuez taf, vous avez tout mon soutien, Galdor. PS, faites-moi un petit signe pour me dire que vous avez bien reçu ça. Avec la poste, on sait jamais. Bah c'est Galdor. Bah Galdor, merci, on l'a reçu. Galdor... Merci. Ça, jamais faut faire. Mais un malade mental mais, dans ta tête, merci Galdor. Beaucoup. C'est... Merci mille fois. Merci beaucoup. Les super chats, pour ceux qui savent pas, c'est que quand on fait des lives en direct sur YouTube, parfois sur DB Times ou sur J-Connection, vous avez la possibilité de nous soutenir via des super chats. Le but étant, voilà, vous mettez la somme que vous voulez et votre question ressort en gros en couleur. Et nous, pour vous remercier, on répond à votre question, ce qui est la moindre des choses. Et effectivement, s'avère que YouTube, bah oui, entre sa part et la TVA, puisque c'est américain, et bah, y a la moitié qui part à YouTube, effectivement. Ceci est technique, il le sait, et effectivement, il a préféré nous faire un don. En fait, voilà. C'est difficile de réagir à ça parce que vous savez, c'est pas le genre de truc qu'on vous demande. Et si on fait les super chats, c'est comme pour que vous puissiez aussi passer par les super chats si vous avez envie de faire quelque chose, tu vois. Si t'as envie de rien faire, tu fais rien. Mais Galdor, c'est vraiment un mec au cœur généreux et il nous montre encore une fois, il nous a fait une petite lettre. C'est Galdor au cœur d'or. C'est ça. On va t'appeler Galdor au cœur d'or, mec. On connaissait Crocor au cœur d'or, le générique de Dragon Ball, maintenant c'est Galdor au cœur d'or. Il y a une lettre de Japan Fix. C'est ça, donc c'est Japan Fix qui nous envoie un petit cadeau. Voilà, donc. On va essayer de deviner. Bah, c'est ce qu'il nous demande. Donc, qui fait quoi? Qui devine? Bah, nous deux. Il y en a eu que il y a aucun des deux qui sait. Il y en a deux. Il y a deux boîtes. C'est peut-être deux fois le même. Tu crois que c'est deux fois le même? Est-ce que c'est deux fois le même? Il y a plus que deux boîtes, frère. Là, je sens un truc. Là, je sens une délimitation. Là, je sens une autre délimitation. C'est pas des WCF. Parce que, regarde, la boîte, elle fait ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a six. T'es pas sérieux. Que c'est une série de WCF. T'es pas sérieux, mais jamais de la vie. Mais je l'ouvre, je débat, je craque. Si c'est une série de WCF Japan, est-ce que... On a trouvé frère, c'est ça. Dis-moi que c'est ça. Dis-moi sur ma vie que c'est des WCF. Oh putain, ouais. Eh, c'est la journée géniale. Malade. Génial la journée.
C'est laquelle de série? Il a mis la série sur Vegeta. Vegeta. Vous savez la fameuse pose de Vegeta qui fait du takoyaki, il chante et tout. Il a mis la série. Et c'est Noël ou quoi? Il a mis la série. C'est Noël. Et on est fort quand même au travers du papier, on a trouvé une série de WCF et apparemment il y avait des capotes avec. Il y a des capotes sur le Dragon Ball. Il en... Non! Il en a même mis une autre spéciale. Il s'en fout ce mec. C'est qui ce mec? Japan Fix, t'es qui? Tu viens d'où? Il vient du Turfu le mec. Eh, hey, hey, mais vous savez notre amour pour les WCF, on est fous, c'est des pas, enfants. On est un jour où on enregistre, on a enregistré toute la journée. Et là, c'est à peu près notre 15ème vidéo, à peu près, ouais, je pense. Et là, on est le soir. Donc en fait, on vient d'hurler à 23h30. Il faut ça qui se montre. C'est quoi ça? Les Zéo. Les Zéo, il y en a deux. Il y en a trois. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Mais c'est fou ce mec. Putain, on a adopté des Zéo. Non, les gars, tous les courriers des scènes qu'on a reçus aujourd'hui, vous êtes magnifiques. Tous, on vous remercie. Et c'est la journée Vegeta. Hein. C'est parce la que le poster de Vegeta en début de vidéo. Ah, oh, c'est génial. Ah, oh, c'est les figurines comme ça montre. Oh, tes spectateurs qui sont téléspectateurs. C'est les gambalés Zéo, regardez. Ils savent pas là. C'est une série spéciale Zenwo dans plusieurs accoutrements, j'allais dire. Dans plusieurs... Je vois pas, c'est flou, il marquait quoi? Gambale Zenwo Sama? Gambale Zenwo Sama. Ah, c'est ça. Donc, et donc Zenwo Sama. Et on les a toutes. Donc, il y a Zenwo qui lève la main, donc qui est celle qui est couchée. Zenwo qui dort sur son futon. On a Zenwo qui est à l'envers, comme ça. Il fait la fête à l'envers. Et normalement, si on dit pas de bêtises, on est censé en avoir le deuxième qui saute. Voilà. On a la série complète des Zenwo Sama. On a la série complète des WCF spécial. Prince Vegeta. Vegeta. Dragon Ball. Oh my god. Prince Vegeta. Et vous avez quoi avec ça? Sérieusement, on a ouvert un courrier. Il nous a mis des sucettes. Et il voulait qu'on fasse ça à la fin de la vidéo. C'était dans un autre courrier des scènes que vous allez voir la prochaine fois. Et oh my god. En ce moment, c'est Vegeta, Vegeta, Vegeta. Ah ouais, mais là, je m'en fous, WCF, frère. Ouais, mais je suis super content aussi, hein, mais en ce moment, c'est vrai que là, toutes les vidéos qu'on a enregistrées, vous verrez dans les prochaines semaines, c'est se passer, heureusement, vous aurez de la variété. Mais nous, on sait qu'on a enregistré beaucoup de trucs de Vegeta, et c'est génial. Je sais pas quoi dire. Entre Galdor, entre les posters de Vegeta, entre la WCF de Vegeta, la série des Zenwo Sama. Merci. On vous remercie chaleureusement. Ah ouais, infiniment. On sait pas quoi vous dire. On conclut cette vidéo sur un gros merci, honnêtement. Vous êtes incroyable, scène. Quoi que vous nous envoyez, que ce soit des lettres comme vous l'avez vu, des figurines comme ça, à chaque fois ça fait notre joie. Et voilà, vous êtes des tarés. Vous êtes fous. Attendez, ça fait plaisir. Vous êtes des fous. Mais trop merci. Ouais. Trop merci à tous. Mille bisous, gros les mecs. Bisous. Merci. Merci. Tchuss. Oh my god. Mon caleçon. Bah, simple que c'était un peu faible. Faut pas que ça sature. Ça sature. La ceinture. Wow. Non, ça sature plus. C'est bon. C'est bon, il est. C'est la vidéo la plus courte du monde.